donner de l'argent à un fonds de dotation, c'est à la portée de chaque individu. Ce qui est intéressant et ce qui est surtout pour moi du sens, c'est de savoir où ça va, pourquoi, quand, de connaître les tenants et les aboutissants du projet, d'en avoir discuté, et puis après, de mettre en place un rétro-planning et de suivre tous les deux mois l'avancement du projet, de donner peut-être un avis extérieur dans nos compétences qui ne sont pas médicales. Voilà ce qui est intéressant pour moi, c'est-à-dire d'apporter du concret dans un domaine qui pour moi ne l'est pas. Être mécène apporte à deux niveaux. Au niveau personnel, parce qu'on a le sentiment d'avoir fait une bonne action. Et je pense que c'est une bonne action. Et deuxièmement, en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, c'est de faire savoir à ses collaborateurs que l'entreprise a un lien de proximité avec le domaine de la santé, parce qu'il touche tout au chacun, dans nos familles, dans les familles des collaborateurs. Je crois que c'est Pierre Berger qui disait que pour bien mécéner, il faut aimer les gens. Et c'est une façon qui me convient tout à fait. Il faut donner de manière gratuite et de manière désintéressée, sans en attendre de retour.